Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tous flétris si bas, Jésus ne change pas. Béni soit ton nom, amen. Béni soit son nom. Tous flétris si bas, ne change pas. Hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, pour jamais Jésus ne change pas. Tous pétrit si bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, amen. Béni soit son nom. Courage, notre
Je prends
Oh,
47, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 47. Nous lisons la parole de Dieu. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre, il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qui l'aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu
sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel est grand, grand puissant, il est élevé au-dessus de tous les peuples, qu'on célèbre son nom, qu'on est redoutable, qu'on célèbre la force. Les genoux devant le Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, que ton nom soit béni, notre Père. Nous sommes à toi et nous sommes heureux de pouvoir le chanter, de le savoir, de le croire et de le garder dans notre cœur. Parce que réellement, nous t'avons toi, Seigneur. Oh, c'est les plus grands trésors que nous avons, Seigneur. Oh Dieu, le merveilleux don, mon bien-aimé Seigneur, de posséder toi, mon bien-aimé Père oh Dieu, de garder ta parole à toi, de garder tes promesses, Seigneur, parce que tu es vraiment le Dieu vivant. Nous nous réjouissons, Seigneur, de cette grâce d'être encore ce soir dans ta maison à toi, Père oh Dieu, voir te louer, t'exalter, te glorifier, de chanter le chant de Sion pour la victoire que tu as témoignée et manifestée, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu as dit que je vaincu le monde et nous le voyons, bien-aimé Père Saint-Dieu. Ta victoire est sans pareil, mon bien-aimé Seigneur oh Dieu. Tu es vraiment l'unique, mon sauveur. Que tu sois aimé de tout le cœur et célébré, Père, et cru, Père du Puissant oh Dieu, pour ton peuple, de toute façon, Dieu, que toi, tu t'es choisi, mon roi. Merveilleux ton saint nom, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, ton œuvre à toi est tellement si grande, mon bien-aimé Seigneur. Tu fais les choses à merveille, Seigneur oh Dieu, et tu amènes à la perfection ce que tu fais, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes heureux de voir réellement avoir cette grâce, d'être dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de chanter ces chants de Sion, nous témoignant à ton endroit, bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu es vraiment notre Dieu, notre puissant rédempteur et sauveur, Père. C'est toi qui nous relève, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Quand nous sommes faibles, Père Tibisson, Dieu, tu es notre force, mon roi. Sois donc exalté encore ce soir, Seigneur. Oh Dieu, ne regarde pas les infirmités, mon bien-aimé Père Tibisson, mais regarde ce que toi tu as fait pour nous, mon bien-aimé Père Tibisson, pour que nous puissions arriver, Seigneur, au bon port, mon roi. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Sois donc béni et exalté, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Oui, que ton nom soit béni, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux d'être dans sa maison et de pouvoir le louer. Il n'y a pas de meilleur endroit. Oui, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec des cris de joie que ma bouche célébrera son nom comme les saintes écritures les déclarent. Nous le sommes de ceux-là. Nous ne sommes pas de ceux qui sont dans des conditions telles que, bon, est-ce que dois-je louer ou ne dois-je pas louer? Est-ce que ce serait bien? Non, nous sommes de ceux-là. Comme il a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Nous voulons vraiment être de ceux-là qui sont vraiment puissants de la bataille avec notre Dieu. Nous ne sommes pas un peuple faible. Hein? Nous sommes un peuple fort. Ce ne sont pas les épreuves, les difficultés qui peuvent arriver à pouvoir nous affaiblir parce qu'il nous a appris de savoir qu'il dit que vous aurez des tribulations, mais les cris de poing, j'ai vaincu le monde. Et nous sommes de cette catégorie-là, mon frère et ma sœur. C'est pourquoi nous ne venons pas avec tristesse, nous venons vraiment avec joie, avec reconnaissance, peu importe les balles ou les flèches qui peuvent voler à gauche et à droite. Mais ça ne peut pas nous affaiblir. Nous devons toujours être puissants
est fort. Et vous savez pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous avons notre cité, frères et sœurs. Nous avons notre patrie, effectivement. Et de ceux qui font partie de cette patrie en question, ils sont que plus que vainqueurs. C'est pour ça que nous le remercions pour sa bonté et son amour et sa victoire. Le peuple de Dieu doit être un peuple toujours fort. Amen. Et c'est vrai que si nous n'avions pas la connaissance de Dieu, parce que la Bible nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est parce que nous ne connaissons pas effectivement ce que Dieu est pour nous, et ce qu'il a fait pour nous, et ce que nous avons effectivement. C'est à ce moment-là que, dans un certain circonstance, dans une situation, effectivement, on est toujours affaibli, parce que l'ennemi ne va pas te laisser seul. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué comment le Seigneur nous a montré la manière de pouvoir être pour que, dans toutes circonstances, nous soyons toujours joyeux. Il nous l'a dit, mon frère et ma sœur. Réjouissez-vous. Donc, c'est-à-dire que, en tout temps, on doit se réjouir. Et c'est vrai, quand on parle de difficile, c'est pas facile, mais il nous dit, réjouissez-vous. Et c'est vrai que le diable ne lâchera pas tranquille, effectivement, parce qu'il va lancer toujours les flèches. Mais il nous a montré quand même dans quelle position nous devons nous trouver. Mon frère et ma soeur, ne sois pas toujours comme quelqu'un qui végète, il vient dans l'assemblée et toujours aussi la tête qui va pas tellement très bien. C'est pas cela, c'est pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on sait que même si on a un problème, ah oui, c'est là, le fait d'être là, je sais que mon problème aura trouvé sa solution. Parce que nous n'adorons pas un homme, nous adorons un Dieu qui a fait les promesses dans sa parole. Et quand il fait sa promesse, il la tient aussi. Alors nous devons être bouillants. Parce qu'il dit, je veux un peuple bouillant, pas un peuple qui est tiède, qui est froid. C'est-à-dire que dans notre intérieur, il doit y avoir la flamme. Et il n'y a rien qui peut éteindre cette flamme que Dieu a allumée, pour autant qu'il l'ait allumée. Et pour ça, nous prions qu'il puisse simplement donner l'étincelle, qu'il allume effectivement. Amen. Éphésiens chapitre 6, regardez comment il nous dit pour que nous puissions arriver à pouvoir toujours être forts et debout. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens au chapitre 6. Amen. C'est au chapitre 6 effectivement, et nous lisons à partir du verset 10. Au reste donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, Maître béni, nous voulons vraiment te dire merci encore, quel bonheur de pouvoir réellement t'avoir et de pouvoir réaliser que tu es vivant et tes promesses à toi et sont vraiment certaines et véritables, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Quand tu dis une chose, nous savons que réellement que toi, tu veilles sur ta parole pour pouvoir vraiment l'exécuter et l'accomplir, mon roi. Et la parole qui sort réellement de ta bouche à toi, elle ne pourra jamais retourner à toi sans effet. Oh, que ton nom soit béni. Notre foi se repose sur ce que toi tu as dit. Sous tes promesses à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous ne sommes pas comme les autres, mon bien-aimé Seigneur, mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent effectivement dans ce que tu as dit pour voir réellement aussi l'accomplissement de cela. Merci pour ta parole encore ce soir. Sois béni, Père, ouvre nos cœurs et nos âmes, et notre esprit, Père, divisant nos pensées, Père, afin que tu puisses aimer ta semence, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, il nous fait savoir que nous devons nous revêtir de toutes les armes. Parce que il faut pas qu'on se trouve nu, dénudé, ainsi de suite, effectivement. Il faut que nous puissions être revêtus. Et dans tous les domaines spirituels, effectivement, quand la parole de Dieu sort, un peuple de Dieu ne peut pas être nu. Parce qu'il doit connaître effectivement aussi de quelle manière il doit avancer et marcher. Et c'est vrai, comme nous disons peut-être dans le livre de Corinthiens aussi, je pense effectivement que il faut que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Et si on regarde effectivement aussi dans les Saintes Écritures, dans le livre des Apocalypse, effectivement, où le Seigneur aussi réprimande, reprend aussi effectivement l'âge de la Odyssée, effectivement, et il dit quelque chose aussi, nous pouvons le lire aussi rapidement aussi là, donc dans Apocalypse, je pense au chapitre 3, je pense que c'est cela. Apocalypse 3, il datire du verset 14. Voilà. Il dit, écrit donc à l'ange de l'église de la Odyssée, voici donc ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Est-ce que vous comprenez quand on dit qu'il est le commencement de la création de Dieu? Vous comprenez ça? Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux sœur. Oui. C'est toujours important pour chacun de nous parce que
Dieu nous accorde la grâce de pouvoir réellement avoir la connaissance. Je pense que vous vous souvenez, tout un chacun de nous, mardi, lorsque nous avons lu dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1. Vous avez remarqué effectivement comment le Seigneur a eu à pouvoir mettre par écrit les choses pour que nous puissions avoir une connaissance exacte des choses, pour que nous comprenions ce que Dieu a fait de nous. Je relis encore pour que vous puissiez comprendre. 2 Pierre, chapitre 1, cela dans 2 Pierre, dit, pour que nous puissions... Voilà. 2 Pierre, donc, au chapitre 1, c'est ça. Voilà. Nous l'avons lu avec vous, je pense que vous vous souvenez encore. Merci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, vous suivez cela? Au moyen de la connaissance, vous comprenez cela? De celui, c'est maintenant? De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, au moyen de la connaissance. Et vous vous souvenez, nous avons prié ici, mon peuple meurt par manque de connaissances. Tant que nous avons besoin de la connaissance exacte, effectivement. Et vous vous souvenez aussi dans les scènes écritures, je pense que quand nous lisons, quand nous sommes là, vous avez la grâce de pouvoir recevoir la parole de Dieu et la bagarre, la garder, effectivement. Dans les livres des Hébreux, toujours. Je pense que cela est écrit, effectivement, je pense que je peux peut-être le lire encore dans le livre des Hébreux, qu'on puisse le trouver, hein, c'est cela. Nous avons lu probablement la fois passée, ou... Et voilà. Hébreux, au chapitre 8. Vous vous souvenez? Mais voici, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Vous vous souvenez? Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Vous entendez cela? Et je serai leur Dieu. Vous vous souvenez? Et ils seront donc... Alors, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère, ni aucun de son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous... Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que c'est cette connaissance-là que le Seigneur veut que nous puissions tous avoir la même connaissance, mais la connaissance, effectivement, qui est donc selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes, pas la connaissance qui vient de notre intelligence ou la conception qu'on peut arriver à saisir les choses, mais que nous les saisissons par l'Esprit. C'est pour ça qu'effectivement, qu'il dit, mais aucun n'enseignera son frère. Car tous me connaîtront. Ce qui fait savoir ici, effectivement, aussi. Alors, vous remarquerez que dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 3, que nous lisions, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Parce que je pense aussi que vous vous souvenez, n'est-ce pas? Lorsque nous avons lu, oui, bien sûr, vous vous souviendrez quand je les citerai, quand nous avons lu avec vous dans les livres de Jean, au chapitre 6, il dit, ils seront tous enseignés. Est-ce que vous comprenez? C'est cette connaissance que Dieu veut que nous puissions avoir. Où Dieu lui-même nous enseigne, Dieu lui-même nous amène à la position où nous devons nous trouver. C'est pour ça, frères et sœurs, il y a beaucoup de frères, beaucoup de gens qui je pense que c'est le problème de... Ils ne comprennent pas quand nous comprenons, nous disons qu'effectivement, il nous est absolument nécessaire. Et c'est pas même nous qui le disons, mais le Seigneur lui-même nous dit cela dans les scènes d'écriture. Il dit, mais que c'est lui qui a des oreilles, entendre pas ce que l'Éphésien dit, mais entendre. Je sais pas si vous comprenez cela. C'est pas pour faire la musique, mais c'est important pour toi et moi. Parce que notre destination est plus importante que ce que vous pouvez imaginer. Que c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour ça qu'il a dit aux ses disciples, il dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Donc si nous ne comprenons pas toutes ces choses-là et que nous restons simplement à pouvoir privilégier notre connaissance naturelle, c'est à ce moment-là qu'effectivement que nous ne pourrons jamais atteindre donc le but pour lequel le Seigneur nous a donc appelés, parce qu'on nous dit que c'est lui, le Seigneur, nous l'avons cité, qui suscite donc la foi. Et qui l'amène aussi à la... Oh oui, comme nous l'avons entendu, car il était pensé qu'à la loi. Ça, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 10, hein, à rapport avec la perfection donc,
pour les assistants de ceux qui écoutaient, hein, n'est-ce pas, c'est pas donc, par la grâce de Dieu, nous, alors, nous répétons dans 2 Pierre, au chapitre 1, nous avons dit, verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, il faut que nous puissions connaître effectivement et de la bonne manière celui qui nous a appelés. Est-ce que vous comprenez? Donc, que nous connaissions parfaitement, le connaître parfaitement, qui il est effectivement pour toi et pour moi. C'est vrai que nous connaissons donc son nom. Vous savez, dans le livre de Jacques, je pense, il nous a dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ok. Et il nous dit, après, puis les démons le croient aussi. Et eux, ils tremblent. Parce que, il y a un seul Dieu, on dit bien que tu n'as pas qu'il y a trois dieux, tu crois bien qu'il y a un seul Dieu. Donc les démons, ils croient aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est vous qui vous fourvoyez avec toi. Vous savez ce que veut dire fourvoyer? C'est-à-dire vous amenez à mélanger avec les confusions. On vous met de flou avec les trois. Vous comprenez? Mais on nous dit bien qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. C'est les gens. Vous comprenez cela, non? Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais vu deux dieux dans les ciels. Ce sont des anges, frère, s'il vous plaît. Déchus! Ils savent que c'est Dieu ne peut pas mentir, car qu'il est impossible que Dieu mente. Ils savent. Parce qu'il n'y a pas de mensonge, même pas de single. En Dieu notre Seigneur. Parce que c'est lui qui est le père du mensonge, c'est Satan. Donc entre Dieu et Satan, il n'y a pas de relation. Comme entre la lumière et les ténèbres. Je prie pour vous qui m'entendez, qui me regardiez. Parce qu'un jour, nous quitterons cette terre. S'il vous plaît, nous nous préparons parce que nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons rentrer chez nous. C'est pour ça qu'il nous est important de prêter attention. C'est la raison pour laquelle nous prenons plaisir à pouvoir avoir un rassemblement même avec deux ou trois. On prend plaisir parce que la nature d'un fils de Dieu, même s'il ne cherche pas à pouvoir le faire, mais c'est de toujours accomplir la volonté de Dieu. Nous continuons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plainte. Comme je l'ai dit toujours autrefois, les peuples qui se plaignent toujours, qui murmurent, ils n'ont pas la nature des dieux. Toi qui te plains toujours, qui murmures, effectivement, je le répète encore, je ne sais pas pourquoi on me dit, mais je le répète encore, il faut que vous puissiez comprendre. Un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peut pas murmurer ni se plaindre. Parce qu'en lui, cette racine d'amertume a déjà été enlevée. Tout est déraciné, mon frère. Mais si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. C'est ça que nous devons comprendre, parce que si vous regardez, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir être mis à part, comme disait le prix, et puis rassemblé, et mis à part pour que nous soyons un peuple saint, saint. Vous vous souvenez dans Deutéronome, chapitre 28, tous les nations, tous les peuples verront que tu es un peuple saint. Ils te craindront, c'est écrit, non? Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Oui, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Ils te craindront parce qu'ils voient que tu es un peuple saint. Vous savez que le fait de mettre la parole de Dieu en pratique vous sanctifie. Et que Dieu vous bénisse pour avoir compris ça. Parce qu'il a dit, sanctifie-le par ta vie. Ta parole est, c'est biblique. Si nous comprenons ces choses-là, les démons s'enfuiront. Notre force est dans la parole de Dieu. C'est important parce que c'est pour ça que Satan combat toujours que la parole de Dieu ne soit pas prêchée dans son intégralité.
Il voudra toujours, effectivement, qu'il y ait un peu de mélange, de sentiments charnels. Oui, monsieur. Parce que l'homme est ainsi. Mais Dieu veille, effectivement, pour que sa parole demeure. Voilà pourquoi il a donné un vrai prédicateur. Ah, nous l'aimons beaucoup. Hein. Ah, que Dieu te bénisse. Nous l'aimons tellement que nous le voulons tous les jours. Le vrai prédicateur. Quand il parle, quand il prêche, les hommes disent, mais c'est pas possible. Il dit, mais jamais homme. Alléluia. Oh oui. Peu importe ce que l'on peut penser de nos frères. Oui, c'est vrai. Jamais homme n'a parlé comme. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Gloire à Jésus, notre Seigneur. Alors quand on les laisse descendre, c'est le jour qu'on pierre à parler. Oh mon frère! Il dit ça, c'est pas la voix d'un homme. C'est toujours ce prédicateur-là qui a trouvé bon de prolonger ce jour. Que Dieu te bénisse dans ce vase-là qui s'est consacré. C'est pour ça que Pierre, quand il arrive chez Corneille, il ne sait même pas parce qu'on bénit l'homme. Non, il ne sait même pas ce qu'il pouvait faire. Et puis il ouvre la bouche, le prédicateur prend la parole. Alléluia! Gloire à Jésus. Quand il a prêché, le Saint-Esprit est descendu. Paul dit, Pierre dit, mais j'ai même surpris moi-même. Eh bien oui. C'est ça que nous désirons. C'est ça que nous cherchons effectivement. Parce que il veut que son peuple. Parce que c'est sa volonté. On peut faire tout ce qu'on veut. Les diables peuvent s'y liguer avec. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons chanter les chants des Sion tous les jours. Que je marche en boitant. Je les louerai. Ah oui. Que j'ai un problème, que j'ai vu ceci, cela, je les louerai. Bien sûr, encore avec une voix élevée. Alléluia. Jésus est bon, mon frère. Il sera toujours bon, mon frère. Oh, Jésus est grand. Frère, nous ne pouvons pas voir la défaite, frère. Les démons, ils sont des incrédules. Ils penseront que vous aurez la défaite. Vous n'aurez pas la défaite. Alléluia! Parce que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Problème avec l'administration, écoutez bien. Administration est ça et ça. Il a vaincu le monde. Tu manques de papier, tu vas les avoir. Alléluia! J'étais sans papier, mon frère. Gloire à Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de défaite. Même si ça dure des années, la victoire est toujours là, parce que je resterai toujours dans sa parole, dans sa promesse. Alléluia, il est vivant notre Jésus. Les démons doivent s'enfuir, mon frère. Bien sûr que oui. Oh, frère, il n'y a plus de place où le temps pouvoir dormir. Être là, j'ai passé que non. C'est le temps de dire que je me lève, je tiens l'étendard, je marche avec lui. J'ai vu la promesse qu'il m'a faite à moi. Alléluia. Oh, je ne mourrai point, mais je vivrai. Je rencontrerai le Seigneur de l'éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Je réussirai. Oui, monsieur. Oh, frère et soeur, il est mort, il est mort, il est ressuscité pour ta victoire à toi, qu'elle soit manifeste. Alors pourquoi pleurer, mon frère? Pourquoi gémir? Mais mets-toi à genoux, il est vivant. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Lève-nous, frère. Oh. Alléluia. Il est vivant, notre Dieu. Il est bon. Il est glorieux. Jésus est vivant. Tendre Père et précieux Sauveur. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, parce que tu es réellement notre puissance. Notre foi, bénémoine Père Saint-Dieu. Notre réveil, c'est toi, bénémoine Père Tibissant.
Oh, que ton peuple est fort, que ton peuple est victorieux, mon bénémoine Père Dieu. Ton sang qui a été versé, c'est pour qu'il soit fort, mon bénémoine Père Tibissant. Qu'il soit béni, mon roi. Sois glorifié, mon sauveur. Oh, béni sois-tu, mon sauveur. La victoire qui triomphe de ce monde, bénémoine Père Saint-Dieu. C'est notre foi en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dans ses promesses, mon bénémoine Père. Loué soit Jésus, mon roi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté, mon sauveur. Oh. Alléluia. Alléluia. Tu es vrai, mon sauveur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à ton nom, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, ton peuple doit revenir à toi parce que tu es réellement Dieu. Tu es roi. Seigneur, nous ne pouvons plus continuer à jouer, mais tu as donné la victoire et la puissance à ton peuple. Louange à l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Oui, tu es. Je te supplie, je te remercie. Oh, Jésus, ton peuple doit être conscient de ce qu'il possède, mon bénémoine Père Dieu. Sois exalté, mon sauveur. Merci. Merci, sauveur. Merci pour ton amour. Oh, Dieu. Merci. Oh. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Et sois glorifié, Seigneur. Nous continuons, nous persévérons dans ce que tu nous as dit, mon sauveur. Ah, nous sommes heureux, Père. Souviens-toi de ceux qui sont malades, alités, mon bénémoine Père Dieu. Souviens-toi de ce peuple qui, à la fois, qui persévère, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Et nous sommes de ceux-là qui avancent avec foi et détermination dans toutes les circonstances, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh Dieu, t'es dans l'étendard, mon roi, et glorifiant ton Saint-Nom et chantant toujours le sang de Sion, déclarant combien tu es merveilleux, combien tu es grand, mon sauveur. Aide-nous encore en ce jour, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es, mon bénémoine Père Dieu. Merci pour ce que tu feras encore davantage, mon roi. Oh, Jésus-Christ, tu ne faillis jamais, tu ne failliras jamais. Je t'aime, mon Jésus, merci. Oh, que les âmes abandonnent et régressent, nous n'abandonnerons jamais. Nous persévérerons, bénémoine Père Tibissant, dans le combat, dans les difficultés, mon bénémoine Père Tibissant, toujours. Nous chanterons plus que vainqueurs. Béni soit ton Seigneur. Gloire à toi. Car la victoire tu nous as acquise à Golgotha, mon bénémoine Père. Merci, Sauveur béni. Nous sommes conscients et heureux de pouvoir réellement te voir à l'œuvre encore, mon bénémoine. Sois adoré. Et aujourd'hui, et demain, Seigneur, et après-demain, oh, nous t'adorerons toujours. Et nous te servirons, mon roi. Notre vie, notre âme, est ce que nous sommes. Seigneur, sera toujours à ton service. Sois béni. Oh, Jésus, nous t'aimons pour ce que tu es, Seigneur Jésus, pour nous. Nous t'aimons, Père Saint-Dieu, parce que tu es notre sauveur. Notre ami fidèle, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Notre maître béni, Père Dieu. Notre Seigneur, dont nous avons du respect, la crainte aussi, la considération, mon roi. Oh, nous te supplions de regarder ton peuple, mon bénémoine Père Tibissant, de nous accorder la grâce de pouvoir vraiment être un peuple que toi, tu t'es choisi. Oh Dieu, que tu travailles dedans et qui accepte, bénémoine Père Tibissant, Dieu, d'être modelé, d'être manié, bénémoine Père Tibissant, Dieu, changé par toi, mon bénémoine Père Tibissant, et transformé, Père Tibissant, entre tes mains. Oh, tu es le divin potier, mon bénémoine Père Tibissant, Dieu, la forme que tu veux. C'est cela que nous attendons de ta part, mon roi. Nous ne voulons pas que tu fasses de nous ce que nous voulons, Père, mais que tu fasses de nous ce que toi tu veux de nous, mon bénémoine Père Tibissant. C'est ton peuple à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui s'étient en cet endroit, à différents endroits, mon bénémoine Père Tibissant, Dieu. Oh, Dieu, il est comme un accord de tout son corps, ce qu'il veut, ce que tu règnes. Ce qu'il veut, c'est que tu prennes possession de lui, bénémoine Père Tibissant.
Oh, nous voulons nous séparer de ce monde, mon bénémoine, Père Dieu. De tout ce qui est dans ce monde, mon bénémoine, Père Tissant. Et avancer véritablement avec toi, glorifiant ton nom, louange à toi, Père. Nous revenons à toi de tout notre cœur, mon Sauveur. Merci, Sauveur. Oh, Dieu, tu veux un peuple saint, mis à part. Gloire à toi, honneur à toi. Merci, merci. Gloire à toi. Merci, Sauveur. Merci, Sauveur. Oh, Dieu. Merci, Sauveur. Louange et honneur à Jésus-Christ, mon Sauveur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Merci pour ce que tu feras, mon Sauveur. Oh, le diable nous a tellement suscité des choses à gauche, à droite. Des occupations, des préoccupations qui nous empêchent même de pouvoir te voir, mon Sauveur. Nous voulons mettre cela en dehors. Personne ne veut revenir, Père Tubissant, à toi, à t'adorer, à te glorifier, Père Dieu, pour que la victoire, oh Dieu, la joie, l'allégresse, mais pas de mission, oh Dieu, d'un peuple qui connaît les sons de la trompette, mon roi, qui connaît son Dieu et qui marche au rythme de la parole divine, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. T'as regardé à gauche et à droite, mon bénémoine, Père Tubissant, dont l'âme est tournée vers toi, mon bénémoine, Seigneur. Oh, nous voulons abandonner toutes ces choses, mon roi. Oh, Dieu, ce qui passionne, nous empêche de voir tes voix, Seigneur. Nous revenons à toi de tout notre cœur, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, Dieu, comme un seul homme, bénémoine, Père Tubissant, avec la foi de voir tes dorés, bénémoine, Père Tubissant. Merci parce que tu as fait des promesses. En nous le croyons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi pour notre victoire, mon bénémoine. Merci. Merci, Sauveur. Nous chanterons. Merci. Oui, Père. Jésus-Christ, mon roi. Nous voulons plus, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. La vie est complètement changée. La nature, Père Saint-Dieu, le cœur et l'âme. Parce que c'est là ce que la Bible dit, mon bénémoine, Père au Dieu. Nous te voulons davantage, mon bénémoine, Père Tubissant, dans l'intérieur, mon bénémoine, Père au Dieu. Que la vie, Père de mon qui soit manifestée, Père. Et pitié de mon frère, et pitié de ma soeur, nos enfants, nos petits enfants, bénémoine, Père Tubissant, Dieu. Où Satan cherche à pouvoir les éloigner de toi, bénémoine, Père. Mais que toi, au nom de Jésus, Père Tubissant, qui ramène, bénémoine, Père Tubissant, Dieu, par la main puissante, mon roi, tu arraches, bénémoine, Père Tubissant, Dieu. Satan ne peut rien faire parce que nous avons la victoire, mon bénémoine, Père Tubissant. Amen. Au nom de Jésus, mon Père Tubissant, oh Dieu, tu es réellement le Dieu qui nous a donné cette grâce, Père Tubissant. Béni soit ton Saint-Nom. Oh Dieu, tu nous as donné cela, Père, à persévérer, à pouvoir te servir encore davantage. Te louer, Père, louriant avec le monde, Père Saint-Dieu, mais tout certainement avec toi, et pouvoir te servir. Il s'agit de ce peuple-là, et toi-même, tu t'es acquis. Oh, pour qui effectivement tu as donné ta vie, les sang que tu as versé. Tu as dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ça, ces autres choses vous seront données donc par-dessus. Aide-nous, Père Tubissant, à nous fixer sur toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, rien qu'à ta parole, mon roi, pas autre chose. Rien que ta parole et ta vie, rien que l'obéissance, mon roi, la soumission et la mise en pratique de croire et démontrant que nous te croyons et nous t'aimons, c'est quand nous obéissons à ta parole, mon roi. Oh, je t'en supplie, mon roi, et pitié par, et redresse-nous, Père Saint-Dieu. Tu as dit que ce qui est boiteux soit redressé, raffermi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est cela que nous te demandons, Père Saint-Dieu, et le cœur ramené puissamment à toi et pouvoir te servir. Merci. Merci, Sauveur. C'est un jour de grâce. Oh, nous ne voulons plus avoir des aventures avec des gens qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Oh Dieu, qui veulent simplement faire des choses qui ne fallait pas. Mon bien-aimé, Père Tubissant, mais dans ta parole à toi, nous voulons le Saint-Esprit. La vérité passée au Dieu, qu'elle soit prêchée par ton Saint-Esprit. Nous voulons cela, nous prions à ce que vraiment, Père au Dieu, la chair puisse s'en aller, mais que le Saint-Esprit puisse prendre vraiment le contrôle davantage, mon roi. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, mon roi, nous avons servi trop le monde, trop nos passions, trop ce que nous pouvions imaginer, Père Saint-Dieu, en minimisant ce que toi tu dis, alors que ce que toi tu dis est plus important, Père, que tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir, ce qui est visible,
passera, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais l'invisible demeurera, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi Moïse avait les regards fixés sur l'invisible, Père Dieu, et ton peuple à toi, les regards fixés sur l'invisible. C'est toi, le Dieu, qui seront aussi visible. Sois béni, Père. Merci encore pour ce moment. Merci pour ce temps, et nous voulons vraiment revenir à cela. Et comme en ce temps-là, comme en ce moment-là, où ce peuple-là était vraiment attaché à toi, mon bien-aimé Père, même si faut avancer avec deux ou trois, c'est cela que nous désirons, Père oh Dieu. Oh Dieu d'Abraham, notre Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, mon sauveur. Je t'en supplie, Père. Nous ne voulons plus la comédie de passer à gauche et à droite. Nous voulons rester vraiment fermes, comme tu as dit, pas en notre ville, pas en notre endroit, mais là, Jérusalem, dans la chambre haute, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est là qu'il devait s'attendre d'être du Saint-Dieu. C'est le lieu qui devait être, mon bien-aimé Père Dieu. Pas en Samarie, pas du Saint-Dieu. Pas en notre endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais là où tu l'avais placé, Seigneur. C'est à cela aussi que nous voulons nous retrouver, Seigneur. Recevoir de ta part, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, être conduit et éclairé, là où le Saint-Esprit se trouve. Merci, merci, Sauveur. Merci pour ta bonté, ta grâce. Nous te voulons. Merci parce que tu es vivant, parce que tu es glorieux, mon Sauveur. C'est ta victoire que nous célébrons, mon Père Saint-Dieu. Ta résurrection que nous glorifions. Nous glorifions dans cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, notre Maître. Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Que ton nom soit béni, Père. Oh, nous te célébrerons tous les jours parce que ta résurrection est une grande victoire, mon roi. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Et nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui, Père Dieu. Parce que tu vis, mon Seigneur. Jamais nous pouvons être dans la défaite, mon bénévole Père Saint-Dieu. Notre Maître est vivant. Notre Rédempteur est vivant. C'est pour ça que Job criait, il avait raison, Père Dieu. Il a eu cette grâce de connaître la vérité, Seigneur. Tu t'es révélé à lui, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et qui s'élèvera. Il avait cette espérance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et c'était la vérité, Seigneur. Nous en sommes témoins aujourd'hui, Père. Oh, pour cet homme qui a cru à tellement... des centaines d'années auparavant, Seigneur Père Tubisson, Dieu, passant des années, mon bénévole Père Tubisson, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il avait raison, mon bénévole Père Saint-Dieu. Il avait raison de crier dans son temps que mes paroles soient écrites avec un burin gravé dans le roc. Oh Dieu du ciel! Un homme pouvait arriver à pouvoir déclarer des choses alors que Père Saint-Dieu, il n'avait pas vécu cela comme nous l'avons vécu aujourd'hui, Seigneur. Et à nous, quelle serait notre foi aujourd'hui, Père Tubisson? En toi, mon bénémoine, Père Tubisson. Job est mort dans la foi, bénémoine, Père Tubisson. Avec une assurance, mon bénémoine, Père Tubisson. Oh Dieu, bénémoine, il me pose avec un brûlant gravé dans le roc. Oh Jésus-Christ, mon roi. Et nous t'avons expérimenté. Tu es vivant. Récitez aussi, mon bien-aimé Seigneur. Pardonne-nous, bien-aimé Père Tubisson. Pardonne les fédérations qui ont fait la permission, Dieu, notre foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pardonne, oh Jésus-Christ, mon roi. Viens nous aider encore davantage, mon roi. Que ton peuple puisse réaliser la grâce que nous avons, Père. Merci. Tu pouvais t'arrêter là-bas en Israël, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu pouvais t'arrêter là-bas, mon sommet, bien-aimé Père Tubisson. Oh Dieu, mais que tu as accompli quelque chose de tellement si grand. De deux, tu n'en as fait qu'un, Seigneur. C'est pour ça que l'évangile nous est donc parvenu aujourd'hui. Oh, tu as pu prendre et saisir des hommes, Père Tubisson, tu t'es choisi pour que la parole divine, Père Tubisson, Dieu, ces témoignages glorieux de ta résurrection nous parviennent aussi, nous qui étions des païens, qui étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être, Père Tubisson, Dieu, dans la joie, que nous sommes aussi la possédée d'Abraham. Jésus, mon roi, ta puissance est sans limite, mon roi. Ta parole est la vérité, Seigneur. Celui qui doute est vraiment du malin, Seigneur. C'est vrai, un fils de Dieu croit ta parole à toi. Il revient, il s'accroche. Et il désire tellement, Père Tubisson, voir s'accrocher à toi. Il va mettre ta parole à toi en pratique, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous combattons contre les démons, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons la victoire sur les démons, Père Saint-Dieu. Sur le péché, bien-aimé Père Saint-Dieu, tout ce qui est en toi, Père Saint-Dieu. Parce que tu as vaincu ton Père. À toi la gloire. À toi l'honneur. La puissance de la victoire sur la maladie aussi, Père Saint-Dieu, surtout, Seigneur, tu nous as donné vraiment la victoire. Merci, merci, aide-nous, Père, à croire, à réaliser qu'effectivement que tu l'as fait. Tu as fait cela parce que lorsque la voix retentit d'une tellement forte, parce qu'il cria d'une voix forte, oh, Père Tubisson, qui est digne de pouvoir venir même regarder les livres
Et pas qu'ils ont besoin d'ouvrir, de briser les sceaux. Personne sur la terre, dans le ciel, sur la terre, personne n'était trouvé digne, mon roi. Je te remercie, mon père. Tu as vaincu, on a dit, mais les lions étaient vivants. Il a vaincu. Donc tu as tout vaincu, mon roi. Et nous sommes bénéficiaires de cela. Nous sommes heureux, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Ni la maladie, ni la mort. N'a plus de voir sous ton peuple, mon roi, mon père, son Dieu. Parce que tu as tout vaincu, mon roi. Louange et honneur à toi. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux, mon sauveur. C'est pourquoi nous chanterons toujours les chants de Sion. Nous chanterons la gloire de tes œuvres, mon bénémoine, Père Tissant. Parce que l'Écriture nous dit que tes œuvres te loueront, ô éternel, mon sauveur, bénémoine, Père. Nous sommes témoins de cela. Si les autres ne peuvent pas te louer, nous sommes témoins. Notre bouche ne veut pas se fermer, bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que nous savons qui tu es, Père. Dans la maladie, tu es notre guérisseur, mon roi. Alléluia! Oh, gloire à Jésus! Que ton nom soit béni! Que ton nom soit glorifié! Il n'y a pas de Dieu semblable à toi! Tu as vaincu, mon roi! Tu es venu pour libérer les captifs! Tu as donné ta vie, mon roi! Pour que ma soeur, mon frère, soit libre! Alléluia! Jésus, mon roi! Oh, tu es le victorieux de Golgotha! À la croix, tu as dit tout est accompli, mon roi! Alléluia! Merveilleux est ton Seigneur, mon roi! On ne peut pas rester insensible, mon roi! Il n'y a aucun démon, Père! Il n'y a aucun démon qui peut empêcher ton Père, mon Père du Saint! Il n'y a aucun démon! Au nom de mon Père du Saint, Dieu! Tu es vivant, mon roi! Tu libères! Tu remplis l'esprit, mon Père du Saint! Tu fortifies, mon bénémoine, Père, oh Dieu! Tu l'as dit que tu le feras! Et tu le fais! Alléluia! Oh Jésus! Tu as vaincu la maladie, Père Saint-Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché, Seigneur, mon Dieu. Tu as tout vaincu, mon Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Tu as vaincu le monde. Alléluia. Ta victoire, nous l'avons, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Merci pour ta victoire, mon roi. Alléluia. Tu es vivant, mon Seigneur. Tu es glorieux. Merveilleux ton Seigneur, mon roi. Nous avons reçu ta foi, toi, mon sauveur. Alléluia. Merveilleux. Oh, gloire à Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Hier, yeah. Aujourd'hui, éternellement, mon roi. Tu sauves encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu libères encore aujourd'hui. Tu es venu pour libérer les captifs. Je t'en suis reconnaissant. Satan, tu as été vaincu. Il n'y a aucun démon qui peut avoir victoire. Toi, démon, tu as été vaincu. À Golgotha. Alléluia. Ni ton mort. Il est sorti vainqueur. Il a vaincu la mort. Gloire à Jésus. Il a dit, je tiens les clés du séjour de la mort et de la mort. Gloire à Jésus, mon roi. Oh, nous sommes heureux, Seigneur. Plus que vainqueurs, même nous sommes, Père. Nous marchons avec assurance et certitude, mon roi. Oh, que cette victoire, Père Saint-Dieu, la victoire et la puissance soient déployées dans ton peuple à toi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce qu'il est à toi. Tu l'as racheté, mon peuple puissant. Tu as payé le prix, mon roi. Un peuple racheté, mis à part, mon peuple puissant. Plus esclave de maladies, plus esclave des démons, mais un peuple libre. Seigneur, qui prend sa liberté, Seigneur. Tu es venu libérer les captifs au nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Merci, Sauveur. Merci. Tu es roi, tu domines, tu règnes, mon bénévole Père Dieu. La crainte t'est due, le respect t'est dû, Père. L'honneur t'est dû, Père, ce puissant Dieu. Qu'il n'y ait plus de désordre dans un frère ni dans une sœur, mon bénévole Père Dieu. Oh, ton peuple à toi d'être un peuple, Père, tu puissant saint. Mis à part, bénévole Père, tu puissant Dieu. Mettant sa vie en ordre, mon bénévole Père Dieu. Pour ta gloire à toi. Parce que tu dois être honoré, Père, tu puissant Dieu. Dans les temps dans lesquels toi tu veux vivre, Père. Alléluia! Sanctifié! C'est vrai, Père.
Gloire à toi. Et honneur à toi. Dans la pensée, dans la conscience, dans le subconscient, dans la mémoire. Tu es le Dieu. Oh, dans chaque lieu qui soit, bénémoine, Père oh Dieu. Que ta présence y soit, bénémoine, Père oh Dieu. Pour le ramener, Père Tubissant, à cette sanctification. Avoir l'autorité, la puissance, bénémoine, Père Tubissant. C'est ton peuple que tu as racheté, Père. Qu'il vive pour ta gloire. Louange à l'éternel, notre Dieu. Oui, Père. Merci, Sauveur. Tu conduis ton peuple, Père. À bras puissant. Merci parce que tu es vivant. Oui, gloire à toi. Honneur à toi. Merci, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es en train de faire encore, mon Sauveur. C'est un travail que ton Esprit Saint fait dans nos cœurs, notre intérieur, mon roi. Travaillant, là, tu me sauves, arrachant tout ce qui n'est pas ta gloire dans ce peuple qui est à toi, mon Sauveur. Nous croyons. Oui, mon Père, je t'aime, je te remercie. Oh, ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus pareil. Ta maison est une maison de prière. Une maison, Père Tubissant, oh Dieu. Ton peuple est consacré à la sainteté, Père. Oh, Jésus, il faut un nettoyage, mon roi. Complètement nettoyé, Père Saint-Dieu, de toutes ces habitudes qui ne sont pas conformes, de toutes ces choses qui ne sont pas justes. Oh, nous voulons revenir à la justice de Dieu, à la sainteté, Père, à l'obéissance. Seul un peuple saint doit entrer, Seigneur. Mis à part ta gloire, je te remercie. Jésus-Christ, mon roi, revenir. Oui, Père. Alléluia. À la sanctification, à l'adoration pure et vraie. Tu es vraiment vivant, mon Sauveur. Tu as dit, nul impur n'y passera. Seul le racheté de l'éternel y passeront. Sous ce chemin, même l'insensé ne pourra pas s'égarer. Parce que ta lumière est liée, mon Sauveur. Oh, Jésus-Christ, on appellera l'éternel notre justice. Je te remercie, Père. Prends le contrôle de ton peuple, de ces lieux, Père. C'est ton endroit, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous ne sommes pas intéressés à ce cas. Les hommes pensent ou disent ce qu'ils penseraient de nous, Père Saint-Dieu. Nous sommes intéressés par toi. Ce que tu diras, ce que tu feras, ce que nous ferons, ce que tu diras, c'est ce que nous obéirons, mon Sauveur. Tu es la parole. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci. C'est encore un jour de grâce, comme tu l'as dit. Nous voulons saisir cette occasion, Père, que toute souillure soit ôtée au milieu de ton peuple, mon roi, toutes ces choses immondes, Père Saint-Dieu. Je te demande cette grâce, mon Père. L'obéissance dans ta maison. Oh, Père Saint-Dieu, et parmi tous ceux qui sont à toi, sainteté à l'éternel, mon Sauveur, Père Saint-Dieu. Oui, Père. Merci encore. Je te demande grâce, mon roi. Éloigne la souillure, éloigne cela au loin, Père Dieu. Que nous puissions te servir dans la sainteté, Père Saint-Dieu. Je te remercie. Je te loue de tout mon cœur pour cela, Père. Rétablis ton peuple à la bonne santé. Oui, Père, tu as dit que je veux que tu prospères et que tu puisses être en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Oui, Père, c'est ce que tu veux pour ton peuple, moi. Sois béni. Sois exalté, Père Dieu. Que tout soit purifié, les canaux, Père Saint-Dieu, purifiés. Dans les choses, Père Saint-Dieu, pour que ce soit un peuple saint, mis à part pour toi. L'obéissance, le respect, la considération, les choses qui sont de Dieu, Père. Prends le contrôle, mon roi, dans leur maison, dans différents endroits
Oui, Seigneur, que ton ange à toi, le Saint-Esprit, puisse nous rappeler qui ils sont, Seigneur. Même dans les pensées les plus profondes, mon bénémoine, pâtissant toujours la droiture. Je te demande grâce, mon bénémoine Père. Merci. 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 Oh oui, Père, je te remercie pour tout. Je rends gloire à ton nom. Merveilleux est ton Saint-Nom. Tu pourvoiras très certainement pour tous nos besoins. Oh, Jésus-Christ, mon roi, je sais, je te remercie d'avance ici, Père. Parce que tout ce que nous devons donner à qui que ce soit, ce sera donné, Père Dieu, afin que nous vivions dans la paix, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oui, Père, je t'en suis vraiment reconnaissant. Sois béni. Sois glorifié, Père, et que ton peuple soit dans la paix. Qu'il vive à te servir, Père Saint-Dieu, pour voir, pour leurs besoins aussi financiers, matériels, Père Dieu, afin qu'ils puissent te servir dans la paix, Seigneur. Et surtout que leur cœur ne soit attaché qu'à toi. Sois béni. Merci. Merci, Père. Nous te remercions parce que tu as toujours démontré que tu étais notre Dieu et que tu l'es, Seigneur. Et que tu as toujours pourvu dans tout le moindre détail. Je t'en suis, te remercie, Père. En cet endroit, Seigneur, nous avons eu des épreuves, mais tu as toujours été là. Tu as toujours pourvu pour mon frère et pour ma soeur, qui pourra toujours, Père. Parce que tu es vivant. Notre désir, c'est simplement de nous tenir devant ta face, mon roi, te glorifier pour tout le bienfait. Nous rappelons tout le bienfait que tu nous as fait, Seigneur. Comme le cantique le dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Tu ne veux oublier aucun de tes bienfaits, Seigneur. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Ce n'est pas aujourd'hui, mon bénémoine Père Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Tu l'as toujours fait, mon Père. Oh Jésus, mon roi. Personne ne peut dire que tu n'as pas fait. Tu as toujours fait cela, mon roi. Pour voir que tu as toujours pris soin de ton peuple, mon roi. Dans tout le moindre détail, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Il n'y a rien qui leur a manqué, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Des guérisons, tu l'as toujours fait, mon roi. Des livrances, la même chose, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu. Des maisons, tu as donné. Des voitures, tu as donné. Travail, tu as donné. Oh Jésus. Guérisons, tu as toujours donné, Père. Qui peut se plaindre en cet endroit? Qui peut se plaindre que tu n'as jamais rien fait? Nous n'avions rien, Père Saint-Dieu. Nous n'avions rien, Père Tout-Puissant. Nous étions des locataires, mon roi. Tu as toujours fait, tu as pourvu. On est la même des pensées des hommes, mon père. Oh, Jésus. Tu es Dieu, mon sauveur. Je t'aimerai, je vivrai pour toi, mon roi. Tu as toujours pris soin de mes enfants, de ma femme. Tu as toujours pris soin dans le moindre détail, mon roi. Il n'aura manqué jamais de rien, Père. Tu n'as abandonné personne, mon sauveur. Qui peut se plaindre, mon roi? Tu as toujours fait. Merci, mon sauveur. Oh, Jésus. Tu mérites plus que l'adoration, mon roi. Tu mérites tout, mon Seigneur. Ma vie et mon âme t'appartiennent, Seigneur. Tu mérites tout, Seigneur Jésus. Oh, Dieu d'Abraham, tu es merveilleux. Oh. Mon sauveur, gloire à toi. Je te remercie, mon Seigneur. Pardonne-moi. Gloire et honneur à toi. Tu as pris soin même des orphelins. Tu as pris soin de tout le monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Personne n'a été mis à part, mon roi. Personne ne peut se plaindre. Les orphelins, tu en as pris soin. Seigneur, tu leur as donné des maisons et des familles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Dans tous les domaines, mon roi. Les chômeurs, tu as donné du travail, Seigneur. Jésus, je t'aimerai toujours, mon roi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Aucun homme ne peut faire ce que tu fais, Seigneur. Un homme ne se fatiguerait, mon bien-aimé, Seigneur Jésus. Mais toi, je mérite ce moi béni. Je te remercie. Merci. Oh, Dieu. Merci.
toi. Tu mérites d'être aimé, mon Jésus, dans toute notre marche de la vie que nous avons. Tu le mérites, mon Sauveur béni. Un peuple qui doit être reconnaissant à toi, mon Sauveur. Oh, Jésus. Tu as toujours tout donné, tu as toujours tout fait. Jusqu'aujourd'hui, nous recevons ta parole. Merci. 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 Merci, ça va. Oh oui, Père. Merci. Merci, ça va. Oh, Dieu du ciel. Dans ton amour divin, je te servirai. Même si les hommes t'abandonnent, je louerai ton Seigneur, mon roi. Tu as toujours été là pour chacun de nous, Père. Et c'est vrai. Merci, Sauveur. Tu mérites d'être aimé, Seigneur. Tu mérites que mon cœur soit droit devant toi. Oui. Oh, Jésus, mon roi. Merci. Ce que tu es, je t'en suis reconnaissant. Mais non. Travaille une secousse comme ça. Nous avons pleuré à le voir avec les hommes. C'est terminé. Nos regards fixés sur toi. Parlant aux hommes. Te ramener à toi. Et te connaître toi. Oh. La crainte, c'est l'honneur, c'est Dieu. Merci. Oui, ça va, merci. Ah oui. Tu l'as fait. Merci. Vivra, c'est vrai, ben. Merci. C'est le miracle, mon roi. Louange à toi. Ton amour, passe en Dieu, est sans limite, mon roi. Je t'aime, mon Sauveur. Je te remercie. C'est vrai. Cet amour est tellement si grand. Il est tellement si grand. Oui, c'est vrai. Sans fin. Oui. Merci. Oh, mon Dieu d'amour, merci. Pour la bonne santé, merci. Pour la joie, l'allégresse d'être à toi, de vivre pour toi, de mourir pour toi, mon Sauveur. C'est cela ce que nous sommes. Pour ton nom à toi, mon Sauveur. Pas pour quelqu'un d'autre, pas sans Dieu. Rien que pour ton nom et ta gloire, merci. Je t'aime, mon Jésus. À toi la gloire. L'honneur et la puissance et la victoire. Merci. Merci. Oh oui, Père, merci. Oh oui, merci pour tout. Sois exalté. Thank you.
Comme tu es dans ta parole à toi, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. C'est ce que nous avons fait, Sauveur. Tu as vu nos cœurs, mon bénévole Père. Nous nous sommes humiliés devant toi. Maintenant, exauce ton peuple, mon roi. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de nos enfants, nos petits-enfants. Que tous ensemble, Père, ce peuple qui est à toi, entend les prières, mon roi. Entend les désirs de leur cœur. Que tous les problèmes, Père Saint-Dieu, qu'ils ont traversés soient ôtés, bénémoine Père Dieu. Que toi, tu leur soutiens, mon bénémoine Père Tibissant. Qu'ils marchent avec toi, mon bénémoine Père Dieu. Que ta bénédiction nous soit accordée, Père. Nous sommes à toi. Nous revenons à toi de tout notre cœur, en étant obéissant à ta parole, Père Saint-Dieu, en ayant la foi dans ta parole à toi. Oh Dieu, en étant aussi guéri de toutes nos maladies, mon roi.
Nous partons avec la victoire. Nous partons avec la foi. Nous partons avec la reconnaissance. Nous chanterons les chants des Sion tous les jours, le soir, le matin, à midi, par tu puissant Dieu, à chaque instant, pour ce que toi tu as fait, pour ce que toi tu fais, Seigneur, parce que non seulement aujourd'hui, mais demain tu le feras, et après demain encore, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, ta victoire demeurera toujours la même. Gloire à toi, béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, Père, pour ce peuple en ces lieux et aujourd'hui. Que ton nom soit béni, Père. Satan a été vaincu. Il n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui sont que tu as été rachetés, béni, Père Dieu. Ce peuple qui est à toi, qui soit fort et non plus jamais faible, mais qui soit fort. Oh, Père, tu proclamant la victoire dans tous les lieux qu'il passera, que ce soit au travail, que ce soit au chômage. Il sait qu'il sortira du chômage, qu'il aura du travail, Père, dans tous les domaines, mon roi, qui te glorifie, mon roi, parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire. Avec lui sur